C'est très bien, nous qui sommes là, et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour alerter la population que derrière cette ultra-communication autour du vaccin et de l'épidémie, le gouvernement profite pour faire passer des lois liberticides, et notamment c'est aussi pour ça qu'on est là ce matin, pour parler de la fameuse loi sécurité globale qui va revenir sur les libertés de chacun des citoyens. Dans un premier temps, et si vous avez suivi, le dernier rendez-vous était au rond-point de Paris, puisque l'intersyndicale avait été repoussée à l'extérieur de la ville. Alors vous pensez bien qu'on n'est pas resté comme ça, qu'on est intervenu auprès du préfet, parce que c'était pour nous inacceptable que le droit fondamental de pouvoir manifester et se rassembler nous externalise et nous mette comme des pestiférés à la périphérie de la ville. Alors hier, avec l'intersyndicale, on a été reçus, hein, Force ouvrière, CGT et FSU, solidaire, fait partie de l'intersyndicale. On a été reçus donc par le cabinet du préfet qui nous a fait un geste en nous ouvrant le centre-ville. C'était compliqué pour nous parce que l'organisation, on avait déjà tout envoyé auprès des militants. D'ailleurs, ils sont plus de 5000 au rond-point de Paris, paraît-il, me dit Reynald. Peut-être qu'il exagère, mais c'est vrai que... Selon la police, déclaration de rassemblement, une manifestation trop en avant, parce que la situation sanitaire peut bouger, donc faut la faire dans les 3 jours qui précèdent le rassemblement. Suite à notre déclaration, la préfecture nous a expliqué que décision avait été prise de ne plus pouvoir se rassembler ni manifester en centre-ville, et que notre proposition de nous rassembler sur la place de l'hôtel de ville n'était pas possible parce qu'il y avait un marché et qu'il y aurait concentration de population, et que cette concentration de population pouvait poser des problèmes sanitaires. Suite à cela, on a fait une proposition alternative au nom de l'intersyndicale de se rassembler place Charles-sur-Hugues, ici même donc, et cette proposition nous a été refusée, là encore, prétextant que la préfecture ne souhaitait plus autoriser des rassemblements et manifestations en centre-ville d'Auxerre, et que on nous proposait soit la place de l'Arquebuse, soit les quais de la Marine. Nous sommes intervenus auprès de la préfecture pour dire que ces choix n'étaient pas compatibles avec notre volonté de pouvoir nous exprimer et de pouvoir communiquer en direction de la population d'Auxerre. Nous nous sommes fendus, l'union départementale, parce qu'il y avait, on était un peu pressé par le temps, l'union départementale FO a lancé un communiqué de presse, mais que je savais qu'il serait repris sur le fond et la forme par l'intersyndicale, pour dénoncer cette limitation au droit de se rassembler et de manifester, et le fait d'être relayé en périphérie du centre-ville. C'était à mettre en perspective, bien évidemment, avec cette loi de sécurité globale, avec ces décrets liberticides, et avec toute une série de mesures prises dans un cadre d'état d'urgence, au prétexte des conditions sanitaires. Ça fait son petit effet, puisque suite à ça, la presse nous a appelés, suite à la presse, la préfecture a souhaité nous rencontrer, afin de renouer le dialogue avec les organisations syndicales, et c'est ce pourquoi on a été reçu hier à 16h15 à la préfecture en présence du directeur de cabinet qui finalement nous a expliqué que la place, un rassemblement place de Charles-sur-Hugues, c'était quand même très bien et que c'était nettement mieux que le rond-point de Paris qui avait été autorisé précédemment. Je reviens donc en arrière, on avait demandé la place Charles-sur-Hugues, c'était pas possible,
Finalement, à 16h30, c'était possible. Nous, de notre côté, on lui a expliqué que ça commençait à devenir très compliqué pour informer tous nos adhérents, tous les citoyens de se rassembler sur ce lieu 12 heures avant. Mais finalement, comme ça correspondait à nos revendications initiales, on a finalement accepté. Et en urgence, nous avons communiqué auprès de vous pour vous inviter à vous rassembler aujourd'hui sur cette place afin de dénoncer un arsenal législatif qui est en train de se mettre en place et qui remet drastiquement en question la liberté constitutionnelle pour tout citoyen, pour toute organisation syndicale, de pouvoir s'exprimer et de dénoncer, critiquer, revendiquer un changement en termes, que ce soit sur des revendications sociales, économiques, voire même politiques et citoyennes. Voilà. Donc je pense qu'on prendra la parole au nom de l'intersyndicale sur cette question, mais dans tous les cas, je tenais à remercier tous les camarades, tous les adhérents, tous les sympathisants, tous les citoyens qui se sont mobilisés aujourd'hui sur cette place, malgré le froid, pour dénoncer et revendiquer une nouvelle fois l'abrogation du projet de loi de sécurité globale qui semble actuellement être un peu quand même en stand-by, puisqu'il s'est arrêté, la navette s'est arrêtée entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'y a toujours aucune proposition gouvernementale pour réécrire l'article 24 qui a été médiatiquement si polémique, mais pour autant c'est l'ensemble de cette loi qui pose vraiment question et qui mérite d'être abrogée, sans parler des trois décrets qui désormais autorise officiellement l'État à ficher un salarié pour son appartenance syndicale ou un citoyen pour son appartenance philosophique, religieuse. Le 26 janvier. Voilà. Et puis une date derrière, bien sûr, que vous connaissez déjà, le 4 février aussi, en Interpro cette fois-ci. Il y aura aussi des manifestations qui vous seront proposées. En tout cas, pour celle d'aujourd'hui, merci d'être venu, effectivement, de braver le froid, de faire ce jeu de piste, c'est vrai, entre les différents rendez-vous. Hein, ils ont été nombreux pour arriver jusqu'à aujourd'hui la place qui a été retraite. Le syndicat demande le retrait de la loi sécurité globale. Donc des actions sont à venir dans les semaines à venir, hein, comme il y en a eu déjà précédemment dans différentes boîtes, notamment chez Yopler, Hermès Métal, mais aussi dans la fonction publique. Donc il y a l'action éducation nationale le 26 et aussi une manifestation interprofessionnelle le 4 février à Auxerre avec départ 10h30 place de l'Arquebuse. Donc l'intersyndicale va se rencontrer pour savoir comment on s'organise. Et cette manifestation interprofessionnelle, excusez-moi, tournera autour de l'emploi. Donc tout ce qui tourne autour de l'emploi et qui gravite autour de l'emploi, c'est le salaire, la réduction du temps de travail, mais aussi les conditions de travail. La question des violences policières, de l'article 24 et donc des atteintes à la liberté d'informer. Le gouvernement a signé trois décrets le 2 décembre. Qui modifie les conditions de fichage des individus. Ce qui change dans avec ces trois décrets, c'est que désormais des personnes morales peuvent être fichées, donc des associations, des syndicats. Et surtout, il y a une extension des critères de fichage aux opinions politiques, aux convictions religieuses, aux convictions philosophiques, à la simple appartenance syndicale. Donc jusqu'à présent, les personnes pouvaient être fichées pour des actions violentes, pour la participation à des actions violentes. Ce qui change vraiment désormais, c'est qu'on peut être fiché simplement pour ses opinions, c'est-à-dire pour penser. Donc c'est un changement qui est quand même assez insupportable. On peut être fiché simplement parce qu'on appartient à un syndicat. On ne voit pas bien en quoi le fait d'appartenir, d'être adhérent à un syndicat porte atteinte à la sûreté de l'État. Ensuite, donc le,
le gouvernement se cache un peu derrière le règlement général de la protection des données pour avancer ce nouveau vocabulaire d'opinion en disant que c'est la RGPD qui utilise le terme d'opinion. Or, la RGPD, lorsqu'elle utilise le terme d'opinion, c'est plutôt pour les défendre. C'est plutôt pour défendre la liberté d'expression et la liberté de penser. Voilà. Donc en fait, ces décrets sont vraiment liberticides parce que désormais, les personnes peuvent être intéressées, peuvent être importunées, enfin, fichées, non pas pour ce qu'elles ont fait, non pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles pourraient faire en raison de leurs opinions et de leur manière de penser, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très inquiétant contre lequel il faut se battre. Donc les organisations syndicales présentes ici et d'autres, le syndicat des magistratures notamment, le syndicat des avocats, etc., ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour casser ces décrets. Ces décrets qui sont invraisemblables dans un état de droit censé défendre les libertés d'expression de tous. Si ça va être poursuivi, mais en tout cas, ils veulent aujourd'hui faire un carnet de vaccination. C'est-à-dire que ceux qui sont vaccinés auront droit d'aller au cinéma et au théâtre, et les autres seront confinés chez eux. Là aussi, c'est une atteinte à la liberté. On a le droit de choisir de se faire vacciner ou pas. Et après, chacun prend ses responsabilités. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Qui est relié à un comité national. Nous sommes en contact avec les ouvriers de RKS à Avallon. Et ils nous ont autorisé à parler de leur entreprise et à lire le tract qu'on avait sorti par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc après avoir manœuvré dans l'ombre, avoir trompé les délégués du personnel sur leurs intentions, entre mensonges et trahison, transfert des compétences vers le site de Saint-Cyr-sur-Loire, revente des machines, le couperet est tombé. Profitant de la situation de confinement, le patron de RKS, filiale de la multinationale suédoise SKF, engage un plan de licenciement et la fermeture du site à l'horizon 2022. Fleuron français du roulement à billes, 141 salariés, seule usine au monde à en fabriquer de très grande taille, basée sur notre territoire, très rentable et pourtant victime d'une stratégie frauduleuse, destructrice du savoir-faire ainsi que du tissu industriel. Stratégie bien connue qui se déroule selon un plan élaboré par des dirigeants escrocs pour vider l'entreprise industrielle de sa substance et gagner le plus d'argent possible. Fraude fiscale. Les services condamnent RKS à un redressement de 36 millions en 2012. Délocalisation du bureau d'études, recherche et développement vers la Chine. Vente des machines-outils avec plus-value. Délocalisation des savoir-faire. Enfin, licenciement des 141 salariés ou reclassement hypothétique à Saint-Cyr-sur-Loire. Pourtant, l'État ne fait rien pour sauver l'industrie ni notre territoire. Il s'agit seulement de faire toujours plus de profits. Avec les lois El Khomri et les ordonnances Macron qui facilitent les licenciements économiques, avec la politique gouvernementale qui accompagne les plans de destruction de l'emploi, mais également la situation de confinement, d'état d'urgence et les mesures liberticides qui freinent la mobilisation, tout est mis en œuvre pour favoriser la destruction des emplois dans une recherche constante d'un maximum de bénéfices pour les actionnaires. Mais au-delà de l'impact direct sur les salariés, c'est également tout un territoire qui va se voir amputé d'un pôle d'emploi important, un des trois plus grands du bassin. Tout le secteur géographique de la Vallonnais va être touché et va souffrir de cette fermeture du site.
Le bassin d'emploi, mais aussi toutes les activités annexes, les commerces, les services publics. Il est urgent de nous mobiliser pour exiger le maintien de RKS sur Avallon, pour défendre tous nos emplois. Il en va de la survie de notre territoire. Ce qui se passe ici est amené à se passer partout. Partout, les emplois sont menacés. Partout, pour des raisons de rentabilité, d'augmentation des profits, sous couvert de la Covid-19, les patrons licencient. Comme l'a expliqué le Premier ministre Castex au MEDEF, cette crise sanitaire est une aubaine pour les patrons. Donc sur les tracts, vous avez pu voir qu'il y a un soutien financier, une caisse de soutien financier pour les employés de l'usine, sachant qu'ils vont faire grève lundi. Une pétition en ligne aussi sur Internet. Voilà, merci pour eux et il faut absolument se battre pour sauver l'industrie. Et aussi dans le cadre de l'intersyndicale. Je rappelle quand même que le 17 novembre, les retraités étaient les premiers à rompre un petit peu le confinement et à venir manifester sur cette même place. On n'était pas nombreux, mais on était là le 17 novembre. On était les premiers. Et les retraités en ont marre. Ils en ont marre d'être considérés comme ils le sont et méprisés comme ils le sont par ce gouvernement, et notamment par notre président de la République. Alors, on avait déjà le pouvoir d'achat. On considère qu'on a perdu 20% en 12 ans de pouvoir d'achat. On découvre cette semaine qu'un retraité sur 7 ne touche pas la pension à laquelle il aurait droit, qui représente en moyenne 500 euros par an. C'est un véritable scandale. Déjà le scandale de notre non-revalorisation. Et alors, juste un petit exemple. Aux Pays-Bas, un petit scandale sur les allocations familiales. Le gouvernement est obligé de démissionner au bout de quelques jours. Eh bien nous, nos gouvernements, ils sont toujours là. Les gouvernants sont toujours là, les ministres sont toujours là. Je ne vais pas citer toute la liste des ministres impliqués dans les affaires, dans les mini-scandales, à l'éducation nationale, partout, mais ils sont toujours là. Alors j'en dirai pas plus, les retraités devaient organiser une journée d'action fin janvier. Bon, elle est repoussée au mois de mars, pour la faire dans de meilleures conditions. Mais les retraités sont encore nombreux aujourd'hui devant la place Cadet-Roussel, et ils seront là à chaque fois qu'il y aura besoin. Et sur le mot d'ordre d'aujourd'hui, Génois en résume en disant « Nous voulons une sécurité sociale et non pas une sécurité globale. » Libération, nos emplois, nos conditions de travail, ça ne manque pas, y compris dans les services publics, puisque les réformes sont largement en cours pour disloquer complètement les services publics à l'heure actuelle. Je rappelle que c'est en train de se mettre en place avec la nouvelle organisation territoriale de l'État. La disparition programmée, enfin du moins la dislocation de la directe, puisqu'une partie va rejoindre donc l'inspection du travail, une partie va rejoindre l'éducation nationale avec la jeunesse et sport.